Que feriez-vous si vous vous retrouviez face à face devant un cambrioleur en rentrant chez vous? Vous battre ou fuir? Un homme accompagné de sa femme enceinte de 8 mois de Taipei à Taïwan récemment rentré chez eux après un dîner romantique. Seulement, en ouvrant la porte de leur salle de bain, ils se retrouvèrent face à un voleur. Avec nulle part où aller, le voleur a alors attaqué le mari, qui est un ancien soldat de la marine. Celui-ci a riposté, puis a épinglé l'intrus au sol à l'aide d'une mainmise militaire. Le mari a affirmé qu'il avait simplement agi en légitime défense et voulait avant tout protéger sa femme qui était enceinte de 8 mois. Lorsque la police est arrivée sur le lieu, ils ont découvert que l'intrus était encore en vie, mais avait des difficultés à respirer. Son complice a vite été arrêté. L'homme, identifié sous le nom de Chang, a été immédiatement transporté à l'hôpital où il a été déclaré mort à son arrivée. Après avoir vérifié les images de télésurveillance, la police a réalisé que le suspect était entré par la porte d'entrée à l'aide d'une clé. Quand il était en train de fouiller pour trouver des bijoux de la femme, il a entendu des bruits et rapidement s'est caché dans la salle de bain. Le mari a été arrêté et il fait face à des accusations d'homicide involontaire et pourrait être emprisonné durant 2 ans s'il est reconnu coupable.